Salut à tous, aujourd'hui on va parler de street photo car le week-end dernier je me baladais du côté du Vieux-Port à Marseille et j'étais en train de regarder un petit peu ce que je pouvais faire en photo, que ce soit les bateaux, les gens qui parlent, les gens qui dansent, il y en a qui dessinent et je me disais que tout ça, ça pouvait faire pas mal de belles photos. Alors aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi, de m'accompagner à travers une petite session de street photo dans Marseille et de voir un peu ensemble ce qu'on peut faire de bien. Alors, je vais utiliser uniquement mon Tamron 28-75 car je l'adore, il est super polyvalent. Vous pouvez faire du grand angle, vous pouvez faire du portrait, vous pouvez faire des plans serrés. C'est vraiment excellent pour faire de la street photo, ce style d'objectif. Alors, si vous êtes chaud, parce que moi je suis chaud, on va faire des photos super stylées dans les rues de Marseille. En profiter qu'il y ait du monde. Regardez-moi ces escaliers de la mort. Et là, on va essayer de se voir si quelqu'un qui monte, mais c'est compliqué. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Fontaine. Je viens de voir la demoiselle ici. Petite photo qui va bien, du gros tac sur la façade. On va essayer de se cadrer un peu quand même. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, je prends des photos en rafale, je sais. C'est une sale habitude que j'ai. Mais bon, ça me permet quand je fais de la street de pas trop me soucier. Et au moins, je suis sûr d'avoir une bonne photo sur les 3-4 que je vais prendre. Il y a un truc assez rigolo à faire. Là, ce que je voulais faire, c'est prendre en photo le pont qui est en face de moi. C'est pour ça que je me suis mis sur ce pont pour faire celui d'en face, que je trouve assez stylé. On va juste traverser. Je trouve qu'on a une belle petite vue d'ici, j'adore. Petit 50 mm histoire de. Quoi que non, mettre au 35. Ça. Je me prends même un peu la rambarde sur le côté. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Après, il y a le petit clocher en face qui est sympa. Et ce que j'aime, c'est la rue qui tourne à droite. La rue de gauche, on se croirait à San Francisco, tellement que la rue est longue et qu'elle descend et puis après elle monte. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez stylé. On va se faire quand même le petit clocher des familles qui est sympa. Forcément, il fallait que le camion blanc il se mette devant moi. Hop, on va monter là-dessus. Petit clocher des familles, c'est fait. Et là, je vous montre la rue que je vous disais, qui est très sympa, on dirait trop San Francisco. Regardez-moi ça. Ça descend et ça remonte. Alors, je vais monter sur le pont. Je vais mettre sur le pont et après, on va se faire les escaliers en face aussi, comme vous voyez. Et là, je vous fais la petite photo. Petite photo qui va bien. Alors je me mets accroupi, avec un peu de chance le monsieur il va dans le métro avec son sac bleu. Non, il a pas envie. Non, c'est pas grave. Et ça, il est pas sympa ce petit bâtiment. École communale de filles.
Là, il y a une petite photo à faire stylée avec la dame, la demoiselle qui va arriver. Voilà. Je crois qu'il y a le scooter qui est passé. Il y a le scooter qui est passé en même temps. Allez, maintenant, on va descendre sur le vieux port tranquillement. Alors là, je voulais jouer avec un peu la diagonale de l'écran, faire moitié ciel et moitié toiture vitrée, c'est sympa. Bon, on va en profiter, on va se prendre un petit cliché. Avec le M de Marseille qui reflète là-bas, ça peut être sympa. Ça ferait un M à l'envers. Avec le petit train qui passe. Boum, ça c'est fait, on va voir. Maintenant, je vois, il y a des pêcheurs. On va se faire quelques petits portraits des pêcheurs, ça peut être sympa. Ah, il y a une dame avec un beau pantalon bleu qu'on va bien voir avec son écharpe également. Ça, ça peut être très stylé. Boum! Ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire un peu les vendeurs. Boum! Lui, c'est fait aussi. De se prendre la dame qui écoute la musique là-bas au fond, assise au bord de l'eau. Nickel. Du coup, je sais pas ce que ça peut donner une photo de l'entrée du vieux port. On va voir, on va se mettre au grand angle et on verra bien ce que ça donnera. Après, ce que j'aime bien ici, là, dans ce quartier, ce vieux port. Il y a Canebière, il y a pas mal de coins très stylés pour faire des photos de rue, les immeubles, c'est pas mal, il y a pas mal de choses. Et on peut se balader tous les jours, ça sera différent. Il y a tellement de choses à faire, à découvrir, tellement de mixité, il y a de tout. Ça, c'est excellent pour les photos. Nous voici sur la Canebière qui maintenant sur la moitié est complètement interdit à la circulation, donc c'est cool. Oh ouais. Je vais voir si les gilets orange traversent, parce que s'ils traversent, ça peut être assez stylé comme photo. Et il traverse, j'ai de la chance. On va voir ce que ça peut donner. On va se mettre au 50 mm. Et il y en a deux. Ah, bien, avec la lame en plein milieu. Là, nous avons un petit manège à l'ancienne. Alors l'intérêt d'avoir un 28-75, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On passe du grand angle. Un angle vraiment plus serré. L'architecture est quand même assez sympa. J'essaie de me mettre bien en face pour prendre vraiment l'angle. Ça me fait écraser par une trotte. Voilà, toujours grand angle, toujours. L'intérêt de se balader dans les rues. C'est ça, faire des petits portraits sympas. Petit photographe là-bas, hop, dans la boîte. Ah, photographe pris. La demoiselle en photo, très sympa.
Hop, c'est fait dans la boîte. Là, on va se faire une petite photo de l'opéra qui est très très stylé, je trouve. L'architecture est très stylée. On va se reculer un petit peu, se mettre au grand angle. Mais maintenant, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui passe pour être sympa. Là, il y a des gens. Jamais. Là, j'ai le. J'ai un Barbie, je vois ce que ça peut donner. Ça peut faire un truc sympa ou pas. Je vais essayer autre chose avec un reflet. On va voir si je peux faire quelque chose de sympa. Ah, cette petite mini, comme elle est belle. On va se remettre en normal. Elle est pas trop belle, cette mini. Ah, j'aime beaucoup. Très sympa. Bateau en pleine réparation avec un beau ciel cramé, vous inquiétez pas. Tac tac tac, j'essaie de prendre avec la grue, ça peut être sympa aussi. Je suis un peu trop zoomé. Le petit livreur qui attend. Petite veste pas jaune, hop, accroché, on va s'avancer pour pas prendre la plaque d'égout en photo. Hop, ça c'est fait. Ah, les petites barques marseillaises, elles sont mignonnes. Avec le monsieur qui pêche à côté. Hop, bim. Le chien va dedans, c'est bien. Non, genre. Ah, c'est pas l'envie qui leur manque, mais non. Allez, vas-y, va dans l'eau, va dans l'eau. Oui. Non. Ah, il boit. Ouais. Vas-y, bois encore un petit coup. Tiens, là. Il faudrait que je trouve le bon angle parce qu'il y a des poubelles là-bas. C'est pas top. Il y a eux qui sont stylés, eux qui sont pas mal aussi. Accrobat. Petite Ducati Javel, très sympa.
un peu sale mais sympa. La dame en face qui prend le soleil. C'est mieux de mettre de la crème solaire parce qu'elle est blanche et qu'elle a cramé. La demoiselle aux cheveux verts, c'est fait. Ah, une petite sculpture assez stylée. Ça c'est fait. Les amis, pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si ce concept vous intéresse, parce que j'aimerais bien en faire d'autres. Je vais vous mettre maintenant à l'écran les photos que j'ai sélectionnées et que j'adore. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis, vous l'avez vu, il y a une telle mixité sociale dans les rues de Marseille qu'on peut faire des portraits assez stylés. L'architecture est pas mal aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à faire dans ces rues de Marseille. Donc, j'aimerais bien faire d'autres vidéos de ce genre. Donc, j'aimerais bien connaître votre avis. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à vous. La bise, bye bye.